Face à une délinquance en hausse, notre justice pénale est-elle à la hauteur? La réponse est oui, d'après le ministère de la Justice. Le taux de réponse pénale avoisinerait les 90%. Autrement dit, 9 affaires sur 10 sont traitées. La réalité est bien plus nuancée, d'après la magistrate Béatrice Brugère. On a 9 835 000 personnes qui disent avoir subi des infractions. Sur ce chiffre-là, qui est quand même ce sentiment, j'allais dire, d'insécurité, on en a pratiquement que la moitié, soit 4 765 000 qui arrivent, si vous voulez, devant les tribunaux. Autre constat d'après la magistrate, 82% des procès-verbaux ont été jugés non poursuivables ou classés sans suite. Pire encore, il y en a moins de 12% qui ont donné lieu à une décision. Selon Béatrice Brugère, à l'origine de ces chiffres, les faibles moyens déployés dans les tribunaux et dans les prisons. On est dans un logiciel où on nous demande de faire du tout aménageable, c'est-à-dire de faire toutes les alternatives poursuites à l'incarcération, et c'est ce qu'on fait. Pour améliorer notre système judiciaire, certains magistrats demandent à neutraliser les délinquants les plus actifs. 5 à 6% des auteurs de faits délictueux sont responsables de plus de la moitié du total des infractions.